bonsoir à tout auditeur Radio Super Femme. Évidemment, ça vous dit, nous voyons là en direct dans le Conseil électoral provisoire, à côté que le Conseil électoral provisoire, les conférences traditionnelles, il y a habituellement vendredi, mercredi, jeudi, et en fait, c'est vendredi. Et je dis là, l'information qu'il faut retenir, c'est que les élections ont été reportées. Les élections ont été reportées par le Conseil électoral provisoire. D'ailleurs, c'est le président du Conseil lui-même qui l'a dit, président et Conseil électoral là, qui est lui au fond. C'est lui-même qui dit ça dans la conférence là. Côté lui-même, c'est présent, lui-même avec Mosler Georges, directeur exécutif et Conseil électoral provisoire. Et puis tout, Pierre Maniga Junior, lui-même qui était conseiller électoral, c'est vice-président du Conseil électoral provisoire. Il a annoncé que, et avant Pierre Lou, on a annoncé la décision que pour reporter l'élection en attendant que l'exécutif là fixé et sous ça et de manière et officiellement. Mais il a dit que c'est par rapport à des actes de violence qui ont pris de par bord dans le pays, que ce soit au niveau de Gonaïve, au niveau de Tigouave, au niveau de Léogane. Donc, décision ça, Pierre Lou, pour faire connaître le problème. Et par rapport à toute menace qu'a pesé sous le Conseil électoral provisoire, toute menace de violence, donc ils ont même décidé de faire un campé sous la décision qui a été prise pour organiser l'élection la date et 24 janvier qui a fini là. Donc l'information qu'il faut retenir, Gary-Pierre Ponchal et tout autre auditeur captain de Radio Scoop FM là, c'est que les élections programmées par le Conseil électoral provisoire pour le 24 janvier prochain ont été reportés. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore de nouvelles dates en ce qui a trait à l'organisation de ces élections. Voilà. D'accord. Merci, Philo. Venez avec Voix au Pont pour nous qu'a fait pays attendre Voix au Pont qu'a annoncé l'élection envoyée. OK? Venez avec. Justement. D'accord. Merci beaucoup. Bon. Et De Gaulle, autre musique là. Ignorance et arrogance ne riment pas seulement. Ils vont souvent de pair. Nous sommes scoop. Maintenant, en responsable, nous décider sur base constat ça que tout le monde fait avec nous. Le Conseil électoral provisoire a décidé de camper le processus électoral là et nous annoncer officiellement que pour le conseil électoral là, dimanche 24 janvier 2016 là, pas opportun encore pour bien élection jour ça, compte tenu de menaces qui a pesé sur l'infrastructure électorale là, sous bien que nous prêtons nous pour mettre le bureau de vote et sous population lui-même qui prend le sortir à voter jour ça. C'est une information ça que CEP a voulu partager avec les partis politiques, public, en général, tout le monde qui est intéressé à la politique, population générale, communauté nationale et internationale. Là. Mais du même côté, nous informer tout le monde que nous sommes là pour nous gérer à faire courante en attendant réaction exécutif là. Parce que nous informer le président de la République là, par lettre signée par le président du CEP, que nous pas en mesure, compte tenu de dégradation, détérioration environnement sécuritaire là, nous pas en mesure de convoquer le peuple là, inviter le peuple à voter dimanche en toute sécurité et CEB a parlé pour responsabilité ça. Merci, ces informations à partager avec nous. Et comme c'est coutume CEP à même là sur le point de presse, nous prêts à répondre à deux questions sur les bagailles qui étaient extrêmement importantes pour la presse que nous avons connues. Merci. Merci. Monsieur Lange de Répondre, pour Radio Métropole. Monsieur le Président, excusez-moi, et excusez-moi, Monsieur Dumel. Ça me devait dire, précision, petite précision, s'il vous plaît. Vous dites que CEP a prêté là pour liquider à faire courant. Est-ce que ça veut dire que nous sommes servis démissionnaires? Moi, pas dit CEP a démissionnaire. Moi, dit, étant donné que mission nous, c'est de faire élection, et dernière étape élection, avant qu'une fête locale pour qu'on fête là, c'était élection dimanche 24 janvier 2016. Des raisons de sécurité, des raisons évidentes de danger aux populations fait que nous campions, nous disons qu'il y a tant de réactions exécutives là pour nous chita poser au problème navel parce que notre interlocuteur immédiat en matière de responsabilité électorale, c'est l'exécutif. Merci.